c'est un circuit de test que nous avons réalisé. Nous avons également réalisé une petite carte pour pouvoir tester ce circuit. Ce circuit regroupe différentes IP, différentes intellectual property qui ont été développées au CEA dans nos labos. Et donc parmi ces IP, on a développé le PNeuro, qui est un cluster de processeurs qui va permettre de réaliser du calcul neuronal. Donc ce calcul neuronal va par exemple permettre de réaliser de la reconnaissance d'objets dans des images. Donc ici dans l'application, on va pouvoir reconnaître quatre types différents d'objets qui sont voiture, moto, avion et visage. Donc ici on est allé jusqu'à l'intégration silicium, donc un tout petit circuit où l'on va mettre en avant l'efficacité énergétique du circuit. L'idée derrière, c'est de pouvoir coupler ce petit circuit avec par exemple un capteur pour pouvoir augmenter l'intelligence du capteur pour éviter d'envoyer les données à un cloud par exemple. L'idée, c'est de pouvoir réaliser les traitements juste à côté du capteur. Donc maintenant que ce premier prototype a été réalisé, on peut envisager une phase en lien avec un industriel qui viendrait nous préciser ses demandes d'application pour pouvoir mettre en œuvre des IP, pour pouvoir être proche de ces applications.